jours sur l'eau avec un moyen de transport lent qui suit le rythme de la nature, du vent. C'est quelque chose qu'on connaît pas, quelque chose qui nous oblige à ralentir et à vivre ensemble. Donc, pour moi, c'était vraiment ça, un espace idéal pour apprendre à vivre en groupe, à décider en groupe, avec des ressources limitées. On aurait tous besoin d'aller passer plus de temps dans des grands espaces comme ça. C'est magnifique, puis ça nous replace aussi par rapport à qui on est dans cette immensité-là. Puis je pense vraiment que ça peut changer notre perception des choses. Ça a un gros impact. On est dans un programme d'études assez critique sur notre système économique. Et donc, on cherche le sens dans nos vies. Parce qu'on a critiqué beaucoup des sujets comme l'entreprise, même le système d'éducation, un peu tous les pans de la société, on l'a pensé de façon critique, donc on est pas en quête de sens. On est un peu perdu pour certains. Il y avait tellement un bel échange du fait qu'on se pose les mêmes questions, donc on pouvait s'apporter beaucoup l'un à l'autre. En fait, c'est dans la rencontre avec l'autre qu'on explore, puis qu'on découvre différentes avenues qu'on connaissait pas, puis qu'on peut finalement peut-être trouver sa place. Comme la mer, j'ai dans le vent ma gloire. Moi, je le referais juste pour écouter le phoque. Juste pour écouter le phoque. C'est le phoque qui respirait à côté du bateau le matin, là. Ouais, c'était merveilleux. Il est mouette aussi. Et des baleines. Des baleines. Quand on connecte avec un ami, on connecte avec un paysage, avec un animal, c'est ça qu'on a soif. Puis notre monde, à l'heure actuelle, est tellement dense, est tellement rendu complexe. Être connecté, c'est extrêmement difficile. C'est ici qu'on va rentrer. On va rentrer là, juste après les canoës. Ici, c'est vraiment magique. Mon projet, ça s'appelle « Ose aller la nature sauvage du soi ». Parce que c'est le sauvage dont on a besoin. Le sauvage, on est dressé, on est cultivé, on est formé. On a besoin de réapprendre c'est quoi les cycles de vie. C'est quoi que les cycles sont en moi. Puis la nature, elle est stable. Un arbre, c'est un arbre, tu sais. C'est un refuge. Et quand j'accompagne des gens dans la nature, je sais qu'ils vont y trouver qu'est-ce qu'ils cherchent. Avec les changements climatiques qui s'en viennent, un peu justement, voilà, les crises arriver, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes du cégep qui voient ça arriver et qui peuvent se sentir un peu impuissants? Ce que je leur dirais, c'est d'étudier dans des domaines un peu... où est-ce qu'on peut... On peut agir un peu sur le monde, vous voyez ce que je veux dire? Donc, d'apprendre, avoir des savoir-faire, acquérir des connaissances, des savoir-faire pratiques. On peut tout simplement jardiner, construire, faire des choses concrètes, apprendre des choses concrètes. Je dirais de beaucoup travailler sur vivre dans le monde réel et vivre au présent dans le monde réel. Aujourd'hui, le contexte a changé depuis 30 ans. OK. Comment aujourd'hui avoir un message qui soit pas déprimant puis qui soit mobilisateur? Parce que si on fout le cafard à tout le monde, tu sais, tout est foutu, ben ça mènera pas nécessairement à la prise en main ou à l'action. Puis il faut quand même agir parce que c'est de plus en plus urgent. Ouais. Les gens n'aiment pas beaucoup les messages moralisants. Mais par contre, de dire ça donne du sens à ma vie, c'est une passion qui me nourrit, je me sens bien comme ça, c'est agréable. Il y a du sens et de la relation à construire. Et on n'est pas les seuls demain à réfléchir à ça, mais il est en train de naître quelque chose, je trouve, là. Je leur dirais que oui, c'est bien de marcher, de protester, de réclamer plus de leurs élus, plus de leur gouvernement, plus de tout ce qui est institutionnel, mais encore mieux, c'est de chercher des solutions. Parce que le négatif, c'est trop facile. Ah, la planète se meurt, tu sais, c'est facile. Alors, la créativité vient du positif. Puis pour être positif, ben il faut agir. Oui, il y a demandé, mais il y a aussi proposé des solutions.